C'est bon, elle dort? J'ai l'impression, ouais. Ok, elle fait pas de bruit, vas-y vite. Vas-y, rentre. J'ai trois. On rentre tout doucement. Vite, allez, dépêche-toi, on rentre. Allez, bon. Allez-y, allez-y, on cherche le coffre-fort. On cherche le coffre-fort. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Là, Lily Rose est en train de dormir. Il est 2h du matin, on est dans sa chambre. Et je sais qu'elle cache un coffre-fort dans sa chambre. Et là, on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah c'est bon, il y a pas la trouvé. Il y a pas la clé. Mais tu connais pas le code? Ça tombe, le code c'est 2010. Non, c'est pas ça. Attends, regarde, fouille ailleurs. Fouille dans les autres tiroirs. Regarde dans les tiroirs, toi. Peut-être ici. C'est bon. C'est bon, on a la clé, on a la clé. Okay, okay. Elle aura pu me mettre. Non, je l'ouvre en vidéo. Pourquoi toi? Et le problème, c'est que là, ça fait 2 semaines, elle arrête pas d'acheter des trucs. Tous les jours, elle revient de l'école, elle achète plein de bonbons, elle achète... Enfin, bref, on se demande où est-ce qu'elle trouve tout cet argent. Ça tombe, tout est dans son coffre-fort. Faut pas y réveiller. Attends, bon, vas-y, hop, on l'ouvre. Est-ce que c'est la bonne clé? Je crois que c'est la bonne. Regardez. Pourquoi il était bon? Quoi ça? Allez, sous ça, moi. Vas-y, prends tout, prends tout, prends tout. Il y a combien là? Il y a combien? 100, 2, 3, 4. Ah, vas-y, prends tout ça, ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Prends ta tout. Vas-y, ferme le coffre. Elle bouge en plus, arrête. Ah oui, bah elle bouge, mais vite, partez de la chambre. Ferme le coffre, on part de la chambre, on part de la chambre. Vite. Et referme, referme. T'as caché la clé? T'as remis la clé? Oh, t'inquiète. Ok, y a combien du coup? Y a plus de 1000 euros. Attends, viens. On va aller par là. On va regarder tout ce qu'on a eu. Bon bah les amis, c'est pas une invention. Elle avait bien trouvé de l'argent quelque part. Imaginez si elle a trouvé tout ça dans la rue. C'est incroyable. Bon, et qu'est-ce que c'est l'autre truc? C'est des sortes de bonbons on dirait. Mais c'est sûr. Candy c'est noté ici. Candy ça veut dire bonbon en anglais. Oui. Vas-y, ouvre-le pour voir. Ok. Vas-y, oh, celui-là, montre. Vas-y, regarde. Ah j'ai trop envie de goûter. Ça sent bon en plus. Vas-y, faut goûter. Ça sent les chamallows. Ah vas-y, j'en prends un. Et pourquoi elle a mis ça dans son coffre-fort? Je vais dire pourquoi elle cacherait juste des 100 euros. Donc Lily Rose, dans son coffre-fort, elle avait mis 500 euros et elle avait mis des bonbons. Ok. Bon bah vas-y, on goûte tous. Hein. Ouais. Allez, regardez, ça ressemble à ça. Ouais, un peu sale. Alors. Attends. Attends. Oh. Ah, je me sens bizarre. Oh. Attends, ferme la boîte. Oh, ouais, vite. Ah, c'est quoi ça? Le bouchon est tout. Attends, tiens la caméra, Jérémy. Tiens la caméra. Ça va, Valentin? C'est quoi, t'entends? Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je crois qu'il y a un bruit bizarre. Ça va? Oh, ça va pas, vous m'avez entendu, les amis. Ah là, j'ai pas pu me retenir, je suis désolé. Ça va, vite, non, aux toilettes, dans les toilettes, dans les toilettes. Le pire, c'est qu'il y a, regardez, il y avait plusieurs boîtes. Non, pas dans la chambre, pas dans la, dans les toilettes aussi. Dans les toilettes. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça va? Ah non. Oh, les amis, ça va pas. Mais je vous ai dit ça. Ah ça va, vous êtes allé aux toilettes. Le médecin, vite. Il faut aller chez le médecin. Il est où le docteur? Attends, vas-y. C'est urgent. On va lui ramener ça. Tu vas aller aux urgences? Oui, vite. Oh, allez, vite, dépêche-toi. Attends, bah prends ça. Prends-les tous. Ah bon. Je pense que Lily Rose nous a tendu un piège. Oh. C'est sûr. Vite, on va chez le médecin. Allez. Jérémy, tu viens aussi? Viens, on passe par le garage, on va chez le médecin. Oh, j'espère que je vais pouvoir conduire, moi ça va un peu mieux qu'eux. Aïe. Oh, finalement c'est pas moi qui vais conduire les amis. Parce que là je me sens vraiment trop. Je me sens vraiment. C'est bon. Donc. Bon, j'ai regardé sur internet, c'est des vrais bonbons qui existent. C'est des vrais bonbons qui existent, sauf que normalement c'est censé être à la fraise et tout. Et ça avait pas le goût de fraise. Donc je pense que Lily Rose, elle a mis un truc dans les bonbons. Elle savait qu'on voulait ouvrir le coffre. À mon avis, elle se doutait qu'on voulait la voler, qu'on voulait regarder dans son coffre-fort. Du coup, elle a dû mettre des bonbons. Bah je sais pas moi. Allez, dépêche. Ouais bon allez on s'en fiche, on va c'est le médecin qui vous dira tout ça. Je vais démarrer. Allez. Oui, démarre, allez. Ah mais arrête de faire ça. J'ai rien fait. Oh. Les amis, on se retrouve chez le médecin, j'en peux plus. Aïe. Regardez les amis, là ça va pas du tout, on est devant chez le médecin. Mais c'est fermé, il est trop tard, il est plus de 10h. Je pense qu'il va nous prendre quand même, là il doit être en train de dormir, on va le réveiller. Oh, c'est obligé. Mais regardez. Oh. Mais j'ai un truc à vous. Attends, mais toi aussi t'as une oreille en plus. Ouais. Ah, non mais regardez, elle a grossi de fou. Bon, allez c'est parti. Alors, est-ce que t'as tiré la langue, vas-y. Monsieur Foufou. Hein? Oh, faites pas lui. Oh non, mais oh là là. Non, j'y vais pas. Allez, rentrez. Moi j'y vais pas. Non, rentrez. Qu'est-ce qui se passe?
Allez, merci, merci, hein. Non, mais non, non. Pas soigné. Écoutez. Ah, mais laisse-moi. Chut, chut. Ah, tu m'as l'air pas très bien, comme d'habitude. C'est quoi ça? Voilà. Pourquoi j'ai une corne sur la tête, les amis? Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est ça qui nous a rendu malade. Mais soignez-vous, le rigolé. Je vais te parler moins fort, là. Alors, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tous moins fort, j'entends rien. Parlez moins fort. Mais toi, là, ouais, alors, toi, qu'est-ce que t'as? Apparemment, t'as une oreille qui pousse, toi, alors. Ouais. Oh, ouais, toi, t'es, comme d'habitude, t'es pas bien. Je vais vous expliquer. Mais c'est quoi, ça? Bon, vous restez calme, restez ici. Assieds-toi. Ne faites pas de bruit, s'il vous plaît. Assieds-toi, machin. Ne faites pas de bruit. Alors bon, écoutez, monsieur Foufou, on a un gros problème. Toi, t'as un truc sur la tête, par contre. Oui, oui, j'ai une corne qui a poussé. Bah, mais comment c'est sûr, ils ont une oreille. Bon, et chut, on se concentre. Oh, bon, arrêtez de tousser quand je parle. En gros, oui. Je vais aller dans la chambre de ma sœur. On a trouvé ça. On a goûté. Et on est devenu fou. Et on a. Oui, il sent pas bien. On a eu envie de. Bah, ouais, ouais, voilà, voilà. Ça sent. C'est une odeur que je reconnais, ça. On dirait que. Mais vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez l'ouvrir. Ne vous inquiétez pas. Oh, ça sent encore plus fort. On dirait que c'est de la limace. Comment ça, de la limace? Bah oui, ni plus ni moins, c'est que de la limace. Et vous en avez mis? Mais oui, on en a mangé. Mais vous êtes pas bien. Vous allez avoir non seulement des oreilles qui poussent, la langue qui va. Non, pas la langue. La preuve, lui, déjà, il était pas très beau à la base, mais regardez ce qui lui arrive. Bon, les amis, c'est sûr, c'est Lily Rose qui a piégé le coffre-fort avec de la limace. Ah, avec... bah bien sûr. Elle a mis de la limace, du jus de limace sur les bonbons pour nous piéger. Bon. Allez, viens. Ah, allez, viens, vas-y, lève-toi et marche. Non, j'ai pas dit quoi, lève-toi et marche. Alors, tu vas t'asseoir tranquillement. Bon, ça, vas-y, viens. On fait trop peur, attends. C'est pas très solide, hein. On arrive. Au revoir, Jérémy. Attendez-moi. Au revoir. Bon. Là, les amis, on va voir ce qui se passe. Ah oui, mais... Parce qu'on sait pas si le docteur va nous donner une bonne solution ou pas, parce que ça tombe, ça va être pire après. Moi, ça va, bon, à part la corne que j'ai sur la tête, je me sens un peu mieux. Mais il faut qu'il trouve un médicament efficace. Mais oui, parce que là, bon, Jérémy, il va servir de cobaye à la limite, tu vois, parce que... Ouais. Attends, je vais ouvrir pour voir ce qui se passe. Allez, vas-y. Ça va mieux ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre la température. Bon, pour l'instant, ça va. Bon, voilà, ça a l'air de genre, entre mieux, là, t'en reste comme ça. Tout va bien? Oui, oui, attends, ça va, je suis en train de lui donner un petit médicament. Non, je suis... Alors, et tu veux redevenir normal ou quoi? Oui, je vais perdre mon oreille. Bon, voilà, alors, attends, vas-y. Il faut sentir. Non, allez, très fort, faut faire. Comme ça, d'accord, allez. Bon, toi aussi, apparemment. Ah, c'est bon, ça a marché. Il faut sentir. Ton oreille. Ah, c'est bon, mais tu peux m'enlever mon thermomètre. Et bouge-toi l'oreille en même temps, voilà, respire. Voilà. Ah, mon oreille. Ça a marché. Mon oreille. Ouais, le thermomètre, j'ai mal. Moi aussi, je veux. Allez, toi aussi. Allez, je veux sentir. Mais faut te boucher l'oreille droite. De gauche. Voilà, ça devrait marcher, mais... Ah, ouais, c'est vrai que c'est très fort, quand même. Ouais, ça diminue. Bon, allez, voilà, apparemment ça marche. Ah oui, c'est bon, ça a marché. Ah bah monsieur. Merci. Je veux m'assurer. Non, merci. Non, pas de température. Non, c'est bon. Bon, revenez dans 5 minutes. Ah non, reviens pas. Non, moi je retourne pas, moi. Il m'a fait trop mal. Mais il fait peur, ce docteur, en plus. Je sais pas où il a eu son diplôme. Mais vous pouvez pas le virer ou faire quelque chose? Non, mais Lily Rose, elle savait qu'on allait fouiller dans son coffre-fort. Je pense que Lily Rose a fait ça pour nous emmener absolument chez lui, parce qu'elle sait que la dernière fois, elle était mal soignée. Elle voulait pas qu'on prenne ce qu'il y a dans son coffre-fort. Il va falloir tout reposer. Pour se venger. Non, ouais, ah, non, vous là... êtes là. Oh non. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une piqûre comme ça? Vous allez jamais plus être malade. Non, c'est bon, c'est pas grave. Allez, hop. Moi, je m'en vais. Bon, les amis, on va se laisser là, on va remettre tout dans le coffre-fort de Lily Rose, en espérant que ça se passe mieux la prochaine fois. Allez, vous pouvez cliquer sur une vidéo qui apparaît sur votre écran, à la prochaine. Ciao. Vous avez pas vu mon serpent ?